Him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort, but she was nowhere to be found. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Bramble the Mountain King sur PlayStation 5. Édité et développé par Merge Game et Dim Frost Studio, sorti officiel le 27 avril 2023, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Qu'est-ce que Bramble ? Sur fond de mythologie celte, avec de nombreuses références aux contes pour enfants tout droit sortis du cerveau malade des frères Grimm, nous incarnons Olé, le petit frère d'un duo accompagné de sa petite sœur, qui fera plutôt office d'un personnage quasi secondaire, voire presque inexistant, mais important dans la trame de ce jeu. Voyant ce jeu comme une sorte de référence assez morbide pouvant nous rappeler les jeux du style Limbo ou Inside. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon the forest seemed to grow colder and darker. The girl was afraid, and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs, and she could not get away. And the girl was never seen again. Comme vous pouvez le voir, le jeu est entièrement sous-titré en français, et aussi surprenant soit-il, le jeu vous propose plus d'une dizaine de langues différentes dans lesquelles vous pouvez effectivement administrer les sous-titres. C'est un point positif, même si je sais que beaucoup d'entre vous n'emprunteront pas ce chemin. Mais c'était assez curieux de voir un tel nombre de possibilités, de choix pour nous faire découvrir ce petit jeu. Donc forcément, on lit un conte sur le gosse qui s'échappe par la fenêtre. On va suivre du coup la trame du bouquin. Not being with his sister scared him even more. The nearby forest was a familiar place during the day. Nous ne sommes clairement pas sur le jeu vidéo de l'année et pourtant le rendu graphique est bel et bien présent. Notez-moi la qualité de tous ces détails qui nous entourent. C'est à se dire même que le personnage principal est moins bien fait que le contexte et le décor environnant. C'est assez surprenant, ça me rappelle légèrement les premiers Final Fantasy d'époque où est-ce que les décors étaient magnifiquement bien faits, bien entendu il s'agissait d'images fixes et le personnage était en mouvance sur cet arrière-plan, mais ça me rappelle un petit peu ce contexte. Bon là le jeu vous fait office de tuto et vous devez aller retrouver votre grande sœur. Huh?
Les actions seront peu nombreuses, entre sauter, vous mettre accroupi ou même sprinter. Il n'y aura pas grand chose d'autre que Olé pourra faire dans ce jeu. Vous allez devoir, sous forme de puzzle game, vous tirer des situations les plus inextricables pour pouvoir venir à bout de Bramble. La touche d'interaction qui mène à diverses micro-animations, c'est la touche carré qui vous permet donc de pouvoir avoir un focus sur ce qui vous entoure. Comme je vous l'ai dit, voilà, peu d'action, ce n'est pas un jeu qui s'adressera aux plus expérimentés des joueurs, et c'est pas plus mal d'avoir des jeux scénaristiques qui s'adressent au plus grand nombre des néophytes aux plus expérimentés. Merde, j'arrive pas à faire tomber la clé. Ah ben voilà, quand même. Les références aux divers contes des frères Grimm seront quand même assez nombreuses de ce que j'ai pu voir. Entre les trois petits cochons, Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge. Si vous avez l'œil, normalement, vous ne devriez pas passer à côté. Comme vous pouvez le voir, vous aurez diverses phases dans l'appréhension et dans la progression de ce jeu. Il y aura bien entendu divers contextes, divers cadres où est-ce que la lumière sera plus ou moins absente. Vous serez abandonné à vous-même et vous n'allez avoir que cette faible lueur qui se trouve en face de vous pour pouvoir vous repérer dans cette obscurité assourdissante. A symbol of hope. La démo du jeu était disponible depuis pas mal de temps, très peu de temps même après son annonce sur internet. Mais dès le début du jeu, vous le verrez de vous-même, ou si vous le découvrez avec moi maintenant, ce n'est absolument pas ce que nous devions faire dans la démo. La démo se passe, je pense, clairement plusieurs heures de gameplay après. Ah ouais, non mais la réfraction de les rayons de la lune, c'est vraiment mais juste magnifique. Plus on s'approche de sa grande sœur, plus on peut l'entendre chanter. Ces fameux chants celtes que l'on appelle le Kulning, qui était... notamment produit par des femmes, par des paysannes. Vous avez de nombreuses vidéos sur YouTube où est-ce que des femmes dans des prés sont en train de faire ces chants pour justement appeler les bêtes dans les prés. C'est assez impressionnant. Et puis c'est assez envoûtant, mine de rien. A strange rock, light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother, Lillemor babbled. See if you can knock down this pine cone. Ouais, bon, là donc du coup ça va être la phase de tuto. Donc on a un autolock
L2 pour viser, R2 pour tirer, et quand le cercle blanc entoure la cible, il jettera lui-même dans la direction indiquée. Pas besoin de vraiment viser avec une grosse précision. Oula. Ouais, par contre, niveau sensibilité, il va falloir que je règle le joystick. La sensibilité est un petit peu trop élevée. On va l'attendre ici, et on va le shooter. Wow, j'ai cru qu'elle allait carrément tomber. J'ai parlé un petit peu trop vite. Ils sont tombés même tous les deux. Together, they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Ouais, c'est comme ça qu'ils arrivent dans leur fameux monde où est-ce que tout est 100 fois plus grand quoi. Bienvenue dans le monde de Alice au pays des merveilles mixé avec les Minimoys quoi. En tout cas, le jeu est foutument bien narré. C'est très apaisant. Elle me met une feuille à chaque fois, la grande sœur quoi. Faut parcourir 1000 km pour la retrouver à chaque fois. Bon, de toute façon. Je sais pas si je l'aurais déjà fait à ce moment-là de la vidéo, mais si je fais des coupures, que je fais des sendings, c'est que les phases de tuto, de parcours, tout ça ne seront pas encore terminées. Donc je vous évite les phases les plus barbantes du jeu qui ne nous apprend pas plus de choses sur le lore ou ce qui pourrait nous attendre. Une grenouille qui porte une couronne. Oh, sois pas deg! Va lui faire un bisou, il va se transformer en prince charmant. Allons bon, continuons. En tout cas, c'est le sound design est vraiment pas mal. Hein. Le son du nénuphar qui claque sur l'eau, c'est franchement bien foutu. La lumière, franchement, le jeu de lumière, c'est même pas un triple A auquel on joue vraiment. Et pourtant, la capa est liée, quoi. Les moyens, ils sont donnés. Hein. C'est surprenant. C'est fou malgré tout, malgré le joli contexte qui nous entoure, c'est bien éclairé, c'est joli, on ne peut s'empêcher de se dire que comme on est minuscule, on est clairement au plus bas du bas de la chaîne alimentaire. On sait qu'on peut se faire buter par n'importe quoi. Et ça donne un petit effet, un petit sentiment de... pas de peur, mais d'insécurité constante. Et c'est un sentiment qui est assez rare... dans la plupart des jeux, que l'on ressent généralement dans des jeux où est-ce qu'on n'a pas souvent d'armes, on est obligé toujours de fuir. Je pense par exemple au jeu d'horreur Outlast, quand on n'a qu'une simple caméra pour faire face à des tueurs, et à la mort constamment, on a ce sentiment toujours d'insécurité, qu'il va falloir redoubler de vigilance et faire preuve d'un côté assez tactique pour pouvoir affronter les différentes énigmes qui s'offriront à nous. Et c'est pas pour me déplaire. And suddenly, Ole was alone again. Huh?
Allez, suivons la lumière. Oula, j'ai cru que j'allais tomber. Par contre, le sentiment de perspective est pas fou. Ça me rappelle un peu les remakes des Crash Bandicoot où est-ce qu'on sait pas vraiment où on va atterrir à chaque fois. Faut vraiment bien viser, faut rester focus sur les pieds de Holly. Oh là! Et voilà, il va la mettre dans le sac forcément. Donc si vous ne le saviez pas, Ole en fait doit sauver sa grande sœur. Voilà, le début, l'objectif du jeu démarre à ce moment-là. Il va donc falloir sauver l'île mort des griffes de ces vilains babots. Au final, la grande sœur a bien fait d'accepter de se faire galocher par le crapaud, quoi. Il nous a sauvé la vie. Il se réveille vachement vite d'un coma, quand même. Hein. Enfin, d'une éventuelle noyade. Et c'est ainsi que commence vraiment... Voilà, l'aspect et l'atmosphère très oppressante de Bramble qui en a fait tout son charme et qui a conquis et vraiment gagné la curiosité de la plupart des joueurs de la communauté adeptes de ce genre de jeu. Cette ambiance qui n'appartient qu'à lui. Et ouais, non, c'est vraiment... C'est fou de passer d'un moment vraiment paradisiaque, idyllique, assez serein, bien coloré, à quelque chose maintenant de très néfaste, oppressant et hostile. Ah donc c'est toi qui a la clé. La clé qui ouvre normalement cette porte qui est ici. Ok, dans laquelle je ne peux aller. Faut-il que je fasse hein. Arrête de chialer. On va trouver une solution. Ok, donc là j'ai un point blanc en haut, donc un point d'interaction. Il faut que je trouve quelque chose pour y monter. Ah bah parfait. Ça, il va falloir le pousser. Ça paraît logique, est-ce que je peux le pousser à gauche, à droite? Non, c'est scripté, ça ne le pousse qu'en ligne droite, hein. Très bien. On amène le chariot. Avec ces espèces de baies qui sont dans le chariot. Bon, en fait, des brambles. Hein. Pour information, la baie de bramble, qui... bramble, ça veut dire la ronce. Donc les baies qui proviennent des ronces. Sûrement une référence. Oh, voilà, il a son petit doudou qui est un cochon en paille. Ben voilà, les trois petits cochons, hein, encore une ref. Tu m'as donné la clé, on peut y aller. Et en plus il me suit, j'ai un copain. Mais voilà, Bramble est une baie toxique qui peut nous donner de fortes hallucinations. Alors, est-ce que Ole est en train de rêver ? Vu que le jeu s'appelle Bramble, c'est-il en fait depuis qu'il s'est réveillé dans son lit, est-il en train d'imaginer tout ce qui est en train de se passer? Ça, je ne vous spoilerai pas, je devrais faire le jeu pour le savoir. Un pont. Y a-t-il un conte des frères Grimm où est-ce qu'on ne peut pas traverser le pont? C'est pas dans Jack et le haricot magique, hein? Vous ne traverserez pas si... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc derrière?
D'ailleurs, je sais même pas si Jack et le haricot, c'est... ça vient des Grimm. Y'a rien là? Ah ouais, ça c'est creepy as fuck. Je déteste le sentiment de... quand t'es observé par quelque chose qui est statique. Enfin, il y en a certains, ils te suivent du regard, ils tournent juste leur tête en mode 360 degrés. Quelle horreur, c'est dégueulasse. Vous pouvez orienter le joystick à gauche ou à droite, on s'en fout. Il ne perd jamais l'équilibre, hein. Il va toujours droit devant lui. Marche droit devant toi. La citation... cette phrase n'a jamais été aussi véridique. Ok, voilà, donc très bien, on fait contrepoids. Il y en a de la force dans ses petits bras. En tout cas, même le sound design est fou, hein, vraiment. L'ambiance, ça accroît fortement le sentiment d'immersion. Hein, c'est fantastique. Hein. Ça m'aurait étonné. Un piège feuillu. Serre, super. Heureusement que ces pièges n'étaient pas à mon format. Ah ouais, non, par contre, quand je vous dis que le jeu est très glauque, très malaisant, vous allez en avoir pour votre argent si vous adorez ça. Pour 30€, disponible en téléchargement dématérialisé ou même en boîte. Disponible sur PC et tout support de console. Oh, ça a l'air de puer là-bas. J'entends les mouches. Ok, qu'est-ce que c'est une espèce de rat, ce boucher là? C'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. J'adore. Enfin, j'adore. Boah! Ah ouais, tu nages dans les viscères, quoi. Quelle horreur. C'est horrible, quoi. Ah, je vais pas monter. Je vais reprendre un peu d'élan. Tombe pas, tombe pas. Voilà. Mais c'est quoi toutes ces viscères là, toute cette viande là? Maman, donne-moi du pain, il y a trop de viande. Mais je vais me faire choper là, moi, à me déplacer comme ça en mode tellement serein là. Je vais être dans son champ de vision là bientôt. Dégueulasse. Non mais ça paraissait un peu évident en fait qu'il allait forcément me voir. Je pouvais pas me cacher sous la barbaque. Ok. Toujours en mouvement. Deux fois. Troisième. Voilà. Ok, des trucs à prendre, puis à jeter. Non. Bon, cherchons le cercle. Ok. Parfait. Chopé. Il est en train en fait de délaguer, de créer le chemin à gauche petit à petit. Ah, ok. Oh! Oh, il m'a annihilé quoi. Il m'a oblitéré. Il crée une vibration avec son poing, ok. Que je saute au bon moment. Ok, parfait. Deuxième coup. Troisième coup. Ok, on est bon. À trois coups de machette, j'ai des viscères qui tombent qui me permettent de l'aveugler un peu.
Voilà, il est en train de péter encore le chemin sur la gauche pour que je puisse m'enfuir. Ok. Ok, un coup de poing. Deuxième coup de poing. Ouh, j'ai failli le prendre, lui. Il m'a rasé les poils du huc. Et voilà, ça dégage. Et le trophée obtenu. On se casse de là, mais vitesse 1000. Bon, je m'attendais pas à affronter un boss aussi tôt dans le jeu, mais tant mieux. Hein. Au moins, il y a un petit intérêt à ce gameplay vidéo découverte. De toute façon, hein, on a vu la sœur se faire kidnapper, ce sera sûrement un boss que je vais affronter plus tard. L'ambiance, c'est clairement... dénigré avec le temps, on a un boss. Je crois qu'on a quand même pas mal de données pour un bon petit gameplay découverte. Allez, je vais m'arrêter au prochain point que j'estime être un point de checkpoint. Et comme ça, je vous laisserai là-dessus. Ah, il y a des petits lutins qui sont prisonniers en haut. Un petit puzzle game, forcément. Tirer le chariot pour monter dessus. Et atteindre la mousse. Les espèces de lierres qui sont contre le rocher. Ah, ok, j'avais pas vu que la pente était ascendante pour le... Pour le chariot. Reculons davantage parce qu'il va mettre du temps à grimper dessus. Allez. Et voilà, vous êtes tous libres, les amis. On peut y aller. Et voilà, parfait. Et du coup, on sera assez nombreux sûrement pour pousser la porte. Car il me fallait quand même pas mal de force. Allez, let's go. Oh ! Oh, quelle horreur ! Oh, le piège à loup ! Oh, il en a tué un ! Faites attention, vous vous foutez les pieds, les petits. Oh, quelle horreur! Oh, mais ils vont pas tous mourir comme ça, quand même. Non, ça y est, j'ai l'impression que c'est terminé. Oh, quelle horreur, quoi! Oh, il y en a deux, ils sont partis à l'échafaud, quoi. Ah, et j'ai pu les ramener à la maison. Ils sont sauvés. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là-dessus, hein. Au moins sur une image positive. Ah, j'ai parlé peut-être un peu trop vite, il les a vus. Oh, et il détruit la maison de bois. Est-ce que c'est encore une ref aux trois petits cochons, la maison de bois qui se fait détruire par... Bon, c'est pas un loup, mais... Oh, je les ai envoyés se faire tuer, quelle horreur. Oh, la prise de conscience dégueulasse. Bon, ben au moins ça vous montre vraiment de quoi Bramble est capable. Hein. Vous allez devoir vous en prendre qu'à vous-même. Oh putain, et maintenant je vais devoir l'affronter lui. Et se cacher dans les herbes. Eh ben écoutez, je vais essayer de me le farcir à moi seul, je pense vous en avoir assez montré. Je vais donc vous laisser ici en espérant que le test gameplay découverte de Bramble vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao.